Ce samedi 23 septembre, Léa Salamé sera de nouveau aux commandes de l'émission Quelle Époque, aux côtés de Christophe de Chavannes. Comme chaque samedi, la journaliste recevra de nombreux invités, venus parler de leur actualité. Chaque nouveau numéro de Quelle Époque, animé par Léa Salamé, est l'occasion pour les téléspectateurs de découvrir l'actualité des invités présents sur le plateau. Ce samedi 23 septembre, le public aura l'occasion de voir Luc Besson sur France 2. Dès le mercredi 27 septembre, les spectateurs pourront se ruer dans les salles pour découvrir son nouveau long métrage Dogman, qui raconte l'histoire d'un enfant abusé par son père, qui a même fini par le jeter au chien. Au casting de ce drame psychologique, qui fut présenté à la Mostra de Venise plus tôt ce mois-ci, on retrouve Caleb Landry-Jones, Get Out, Christopher Denham, Oppenheimer, ou encore Marisa Berenson, Cabaret. Quelle époque, un plateau avec des invités venus de tous horizons aux côtés du réalisateur césarisé, les téléspectateurs retrouveront Franck Dubosc. Le comédien de 59 ans sera dès le 27 septembre à l'affiche de la comédie Nouveau Départ, dans laquelle il prête ses traits à Alain. Amoureux de sa femme Diane, Karine Viard, comme au premier jour, Alain traverse la cinquantaine sans crise, contrairement à celle-ci. Il va alors tenter le tout pour le tout afin de réveiller la passion avec son épouse après 30 ans de vie commune. Maude Pruvot sera également de la partie, tout comme le styliste français Simon Porte-Jacquemus. Le fondateur de la célèbre marque aura ainsi l'occasion d'évoquer sa nouvelle collection, à quelques jours du lancement de la Fashion Week de Paris, qui aura lieu du 25 septembre au 3 octobre. Théo Curin, Hélène Gâteau. Les autres invités du numéro inédit de Quelle Époque. Théo Curin figure aussi parmi les invités de ce samedi 23 septembre. Après avoir montré ses talents d'acteur dans la mini-série Vestiaire et dans le feuilleton Plus belle la vie, le nageur handisport intervient en tant que consultant et chroniqueur dans l'émission Jeux, Citoyens, sur France 3. Une immense fierté pour le sportif, qui sera aussi à la tête d'une émission pour enfants dès le mois de novembre sur France 4 et au coup. Hélène Gâteau fera également face à Léa Salamé et ses chroniqueurs ce samedi 23 septembre. La vétérinaire et chroniqueuse évoquera librement la récente sortie de son livre « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien, et pas un enfant » aux éditions Albin Michel. Article écrit en collaboration avec Cimédia.